Bonjour, c'est la variation 13 et le mystère d'existence dans deux mondes parallèles continue. Ici, il y a deux choses que je voulais vous montrer. La seconde de notre thème. La seconde montante. Et c'est ça la construction de cette variation. Je veux jouer que le plan principal, sans les petites notes, qui vient toujours à la fin de chaque mesure. Que les accords structurels. Et on voit que c'est devenu cette seconde qui monte chaque fois. Ça devient presque le monté en chromatique, ce qu'on avait dans le thème, mais en descendant. C'est toujours la seconde qui monte avec chaque mesure, chaque mesure, chaque mesure, en dépendant du reste. Ça continue. C'est fini la partie forte. Et maintenant la partie piano. C'est chaque seconde qui monte et elle descend dans chaque mesure. Et maintenant, les notes, les petites notes, elles sont disparues. Je vais rejouer, je pense, cette ligne dans cette variation intégralement. Et le deuxième plan qu'on vit ici, c'est justement les petites notes. Il me rappelle toujours à la première suite du Rachmaninov, la suite pour deux pianos. La suite, c'est opus 5, et ça veut dire qu'il y a 10 années qui sont passées entre la suite et ce cycle de variation.
C'est justement le début. À mon avis, il est encore agrandi la distance entre ces deux mondes, entre les colonnes d'ici et... C'est les petites vagues qui existent. Aussi, et c'est à nous d'essayer, quand on va écouter maintenant tout ensemble, de les réunir. Ces deux espaces, les réunir dans nous. Dans cette variation, je me sens un peu comme un organiste, car je suis obligée d'utiliser du troisième pédale qui est au milieu, ce qui est assez rare. Le pédale, il m'aide de distinguer les deux plans et pour ne les pas mélanger, ça veut dire que je prends un accord. Je le tiens avec les mains, je prends cette pédale. Après, je peux jouer tout ce que je veux. Et même utiliser la pédale droite. Et ça ne me gêne pas, pratiquement, pour cet accord-là. Ça veut dire que même si je superpose les autres choses par-dessus, cet accord, il reste propre. J'enlève tout et c'est que cette seule corde qui reste. Ça veut dire qu'elle se ne mélange pas avec d'autres mondes, mondes des petites notes. Et encore plus important, ça devient dans la deuxième partie où ces deux plans sont vraiment très très distingués. Thank you.